Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope des Sagittaires pour le mois d'avril en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez donc pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre. Bienvenue à tous, un grand merci pour votre écoute, votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je le rappelle, c'est une guidance sentimentale et émotionnel général, donc vous adaptez à votre situation. Ça va concerner donc si vous êtes en couple, la personne de votre cœur, votre autre. Si vous êtes en distanciation ou en séparation, la personne qui est dans votre cœur. Et pour les célibataires, la future personne qui va arriver dans votre vie. Avec l'oracle du chakra du cœur, on vous parle de vie en commune, on vous parle d'une envie de faire des projets à deux, de faire avancer la relation. Du coup, il va y avoir de très très belles énergies. Avec l'oracle à haute vibration, on vous dit d'envoyer, de diffuser de l'amour. Peut-être pour certains, ça va être l'heure d'une vraie déclaration d'amour. Et au niveau émotionnel, on vous parle de la vérité intérieure. En plus, vous allez être dans une très grande ouverture du cœur, puisqu'on vous parle de sagesse du cœur. C'est-à-dire que il va y avoir un très bel équilibre émotionnel, beaucoup de sécurité, de sérénité. De discernement parce que vous allez vraiment trouver un bel équilibre durant ce mois d'avril. Beaucoup de conscience. Et vous allez également être très intuitif, les Sagittaires, parce qu'en fait, vous allez écouter votre cœur. Donc, être dans le cœur, c'est le meilleur des guides. Allez, on va aller voir. Déjà avec les arcanes majeurs de l'oracle de Laura. Sagittaire pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Sagittaire pour le mois d'avril. Alors, on a la carte du monde. Tout est possible. Tout devient possible. Beaucoup, beaucoup d'émerveillement, de grandes réussites. Vous allez vraiment vibrer assez haut les Sagittaires durant ce mois d'avril. Vous allez avoir également besoin de vous ouvrir au monde, peut-être besoin de faire de nouvelles rencontres. Besoin d'aller explorer le monde, tout comme votre intériorité. Être à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Bon, en plus, vous avez l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé et protégé. Vous recevez beaucoup, beaucoup de signes. On vous dit de garder la foi, de garder espoir et de suivre votre bonne étoile. En tout cas, il y a de très belles choses là qui arrivent. On vous parle du chakra racine, c'est-à-dire d'ancrage, de concrétisation, de matérialisation des projets. Vous allez vraiment avoir un très bel alignement intérieur. Vos émotions vont être au clair. Vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous voulez aller. Et vous allez vous en donner les moyens. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour de soi, beaucoup de respect de soi, donc respect de l'autre. On vous parle de rupture de séparation. Moi, là, dans cette,
dans cette guidance-là, pour moi, c'est... Il y a quelque chose qui se termine, peut-être une guérison. En tout cas, vous entamez un nouveau cycle avec en plus la carte du scorpion. Vous tournez définitivement une page du passé. Peut-être qu'avant, votre cœur était encore un peu fermé, où il y avait encore certaines peurs, certains doutes. Là, vous rayonnez l'amour. On vous dit que vous allez être très intuitif. Ça fait deux fois qu'on vous le dit. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre cœur. En fait, c'est l'amour, c'est votre cœur qui va vous porter, qui va vous donner des ailes durant ce mois d'avril. Alors, juste pour le petit clin d'œil, pour les liens d'âme et notamment les flammes jumelles, on vous confirme bien que vous êtes sur un lien de flammes jumelles. Et là, pour certains, on vous parle de retrouvailles, de réunions, de projets à deux, en tout cas dans la matière. On va prendre les arcanes mineures, Sagittaire pour compléter. Alors, en plus de ça, on vous dit que les finances vont s'améliorer. Si vous aviez des soucis au travail, on vous dit que vous allez vraiment faire des choix en conscience durant ce mois d'avril. Donc forcément, l'énergie principale, ça va vraiment être l'amour, l'autre, la personne de votre cœur. On vous dit que, de toute façon, vous allez rechercher l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être également un nouveau choix d'orientation professionnelle. Vous allez avoir confiance en vous. C'est comme si rien n'allait vous arrêter durant ce mois d'avril, les Sagittaires. Vous allez avoir la foi. Pour certains, avec apprendre ou dire une vérité, vous allez trancher dans le vif. Vous n'allez plus avoir peur de vous exprimer. Et entre autres, pour certains, là, il y a des déclarations d'amour dans l'air, hein, très clairement. Avec le roi de deniers, on vous parle vraiment d'un bel équilibre intérieur, de quelqu'un qui est stable, qui va entreprendre des choses, qui met en place des projets. Et on vous parle bien d'une réussite là, professionnelle, mais c'est également une réussite en fait dans tous les domaines. Puisqu'on vous dit bien que le monde vous ouvre ses portes. Ça va être un mois très intense, les Sagittaires. Beaucoup de réalisations. Alors, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien évidemment. Bon, on vous parle de passion, d'attraction, de désir. Vous allez en fait vous laisser guider par le cœur et par cette flamme de vie, par cette flamme intérieure. Qui va vous pousser vraiment vers le meilleur. Il y a beaucoup de... Vous allez mettre beaucoup de cœur, beaucoup de passion dans tous vos projets. On va compléter avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, pour les célibataires, là, on vous dit très clairement qu'il pourrait y avoir une belle rencontre, que vous en terminez avec un ex, avec une blessure du passé, vous entamez un nouveau virage dans votre vie sentimentale, vous vous ouvrez de nouveau à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. C'est comme si, en fait, vous étiez prêt. Bon, on nous parle de corps à corps. Alors, certains Sagittaires, en fait, vont également profiter pleinement de la vie, sans trop se poser de questions. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, hein. Un regain dans un couple, parce qu'on va faire des projets à deux. On vous parle de révélation, de déclic, c'est on lâche tout, on lâche ses peurs et on y va, on fonce, on avance, on vit ce que l'on rêve de vivre. On s'en donne les moyens.
Sagittaire. En tout cas, ça va être un mois très épanouissant, très révélateur. Oui, pour certains, de toutes les façons, alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui va vous faire une déclaration bonne et due forme, hein, peut-être même avec un très beau bouquet de fleurs. Parce que là, on n'a plus peur, on n'a plus peur dans cette histoire-là de dire les choses, de montrer son amour. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de montrer son amour. Ok, et pour certains, alors ça peut concerner aussi hein, les célibataires, on a une amitié amoureuse, donc une amitié qui pourrait prendre un nouveau tournant, une amitié plus, plus, plus. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre les Sagittaires. En tout cas, ça va être un mois franchement super pour vous, hein, les Sagittaires, là. La complicité, l'authenticité. On n'a plus peur, on y va, on fonce, on s'exprime. On vit l'amour au grand jour. Allez, on va prendre une ou deux cartes du full sentimental. Alors, oui, on vous parle d'une crise, mais pour moi, c'est comme si, en fait, vous tourniez vraiment une énorme page de votre passé douloureux. C'est ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. On vous parle d'aujourd'hui que votre passé qui vous a fait souffrir n'a plus sa place dans votre vie aujourd'hui. Que voilà, votre passé, désormais, vous avez réglé beaucoup de choses, que vous tournez une énorme page. Puisqu'on vous dit bien, de toutes les façons, vous allez enfin trouver cet équilibre. Et vous allez vous offrir cet équilibre. Donc on a beaucoup de sécurité intérieure, d'harmonie intérieure. Vous êtes prêt à relever tous les défis. On va prendre quelques cartes conseils avec l'oracle des réponses divines. Sagittaire. Oui, vous tournez une page de votre passé. Vous changez de regard. Vous faites... vous n'avez plus peur, en fait. Donc, pour certains, c'est... on se lance dans des projets et pas forcément que sentimental. Et on va en prendre un autre. Un dernier. Vous changez votre façon de faire, votre façon d'être. Et on vous dit, suivez le courant. Vous n'avez plus peur des changements. Vous n'avez plus peur de sortir de votre zone de confort et de faire confiance à votre bonne étoile. On va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses. Allez, Sagittaire. Donc, le message de la personne de votre cœur. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur des projets, sur votre histoire. Et qui, de toutes les façons, se rendra disponible à un moment donné ou un autre. Donc, il pourrait y avoir un revirement de situation pour certains Sagittaires. Donc, ce qui peut être dans une triangulaire. Hein. Ok. Et on va terminer par l'oracle des amoureux.
les Sagittaires. Bon, deux fois, hein, on vous parle de flammes jumelles hein, quand même. Hein. Votre passion s'enflamme. Donc pour certains, vous allez vraiment accepter pleinement ce lien de flamme jumelle que vous vivez avec votre autre. Et là, pour certains couples, certains parcours, on vous dit que, eh bien là, on va vers des retrouvailles, vers des réunions. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.